Yeah! Ha!
Huh?
qu'on fasse ensuite? Se rouler dans les poubelles? Je sais pas. J'espère pour nous que ça va marcher. Alors, on est devenu tout garou, ça y est? On est pareil qu'avant! Non! Regarde, j'ai des cheveux jaunes maintenant! Non! Fini de jouer, les farfelous! Donnez-nous ce chien! Ce chien garou est avec nous! Yo-Yo, va chercher Filou pendant que nous, on les occupe. J'y vais. Yo-Yo, rapido! Hé, hey, les farfelous! Je vous ai déjà montré mon bibou tornado. Nos pouvoirs farfelous sont mille fois mieux. Psst! Filou, viens ici. Allez, remue tes papas, t'es bien ici. Oh. Hein? Hé! Hey, hein? Bats les pattes! Mmh. Hurlement garou, Tilou. Mmh. Pour ça, il faudra d'abord m'attraper. Par mes oreilles de chat, ce chien a une dent contre moi. Glu-glu main et piccolo. Bibou super zigzag. J'avais presque réussi. Viens, Scarlou, tu nous montreras comment nous transformer ailleurs. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire? Étoile collante. Encore? Les étoiles collantes, c'est bien. Mais on peut faire mieux que ça, je suis un super ninja. Étoile collante. D'accord, mais si on vous demande, c'était mon idée. Yeah. Yo-Yo, c'est le bruit d'un petit oiseau qu'on entend? Non, c'est celui d'une étoile collante. Les ninjas. Reste calme. Yo-Yo, rapido. Ignorons ces ninjas, maître Yo-Yo. Cette montagne doit me rendre calme et rien n'arrivera à me déranger ou à m'énerver. Tu parles comme un véritable héros. Mais il vaut mieux qu'on monte tout en haut. On ne sait jamais. On dirait bien que le tatou énervé reste calme. Mais je sais exactement quoi faire pour le mettre en colère. Rire diabolique. Ça suffit. Tu avais raison au sujet de cette montagne. Je me sens tout à fait détendu. Ouais, ça a l'air de bien marcher. Et ce rocher au milieu du chemin est moelleux et super confortable, c'est très reposant. Ah oui? Alors ça doit être un rocher coussin, utilisé depuis des siècles pour s'asseoir dans un coin tranquille et penser à des choses calmes. C'est bizarre, maître Yo-Yo, c'est la première fois que j'entends parler de rocher coussin. Oui, mais on dirait qu'il fonctionne. On a beaucoup de chance d'être tombé dessus par hasard. C'est un coup de ninjaka. Piège de ninja! Étoile collante! Oh, comme j'aime me promener sur le pont de ce bateau alors qu'un petit vent souffle sur mon visage masqué! Bien que c'est juste de l'eau et pas un repère de pirates. Il n'y a pas de place pour un méchant pirate dans notre ville. C'est mon territoire. Et vous n'avez rien à faire ici, les pyjaminus. Embuez-les. Non, pas de l'eau. Est-ce que ça va? Oui, je suis à peine mouillée, merci. Ce n'était que quelques gouttes. Surtout ne t'en fais pas. Reste à l'arrière et arrête tous les ninjas pirates qu'il restera. J'ai l'impression qu'une bibou tornado approche. Bougre de ninja pirate. On navigue sur les flots le jour et la nuit. On rattrape les bateaux, jamais on ne s'ennuie. On bat les ninjas pirates même quand ils grondent. On est les meilleurs pirates du monde. J'ai trouvé une rime. Oh. Hein? Hé? Regardez donc. J'aimerais bien
bien savoir ce qu'ils font. Ils abandonnent trop facilement, c'est étrange. Oh, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire diversion. Oh non, c'est un piège. Bibou, Gluglu, n'allez pas par là. Revenez. Cette fois, je dois surmonter ma peur de l'eau. Mes amis ont besoin de moi. Merci du compliment, Roméo. Pousse-toi de mon chemin, Ninja Nigo. Laisse-moi passer, Sorcelambine. Hein? Tu ne trouves pas la pédale d'accélérateur, petit Minet? Pardon, je passe. Bonne route. Oh! Continue comme ça. Poussez-vous! On laisse passer le bus! Si vous croyez que vous allez me déconcentrer, vous... Par mes oreilles de chat! Je ne fais que passer, yo-yo l'escargot! Besoin d'aide, peut-être? Quelle bande de tricheurs! Je ne vois plus qu'une solution! Les rattraper et gagner, c'est ça? Non, je vais devoir faire la même chose qu'eux! Tricher? Tu ne peux pas! Les héros ne trichent jamais! Sers-toi de tes talents de pilote! Ce ne sera pas vraiment de la triche, je vous le promets! Hein? Oui, en fait, c'est juste un petit coup de pouce, c'est tout. Oui, c'est ça. Gluglu, tiens bien la rampe. Pourquoi tu mets la rampe ici? C'est par là-bas que les autres passent. Prête pour ton bibou tornado? Bibou tornado! Wouhou! Ouais! Raccourci! Quoi? Suffit, Roméo. On dirait que le matelas à rayures a besoin de se rafraîchir. Allons aider Yo-Yo. Bibou, arrête d'énerver Roméo, tu ne fais qu'empirer les choses. Je te rappelle qu'il a cassé mon astro, Hibou. Tu sais, Bibou, pour un pyjama, tu es plutôt sympa. Et si on lui prenait le rayon glaçant? Comment? Avec mes papis nuits. Et avec ton... Tu vois le truc que tu fais avec tes ailes? Mon bibou tornado? Mmh. Hein? Oh! Au secours! Je l'ai! Je l'ai! Vous avez cassé ma machine! Peut-être que Pijarobo pourra la réparer? Quand il aura fini avec mon astro-hibou. Bibou, il faut que tu arrêtes de vouloir te venger. Il t'a gelé, mais je t'ai libéré. Mais c'est parce que tu as énervé Roméo que Yo-Yo a été glacé. J'essaie simplement de l'empêcher de brouiller toutes les machines de la ville. Ah oui, tu ne cherches pas à te venger de lui. Non, d'un hibou déplumé. Mode fusée activé. Ils vont voir ce que ça fait quand je m'énerve. On se refait un vol plané? C'est vrai que c'est amusant. Hé, hey, Motsuki, tu viens? Qu'est-ce que les pyjaminus et sorcelines sont en train de manigancer, hein? Robo, tu trouves que c'est le bon moment pour nettoyer le labo? Tu feras ça plus tard! Désolé, maître. Robo a profité que vous semiez la pagaille avec vos brouilleurs pour faire le ménage. C'est maintenant que je vais mettre la pagaille! Je vais déposer mes brouilleurs dans toute la ville! Pas si on t'en empêche! Hein? Bibou tornado! Oh non! Annulez, maître! Annulez! Au revoir, l'inventeur foufou! Wow! Vas-y doucement, Pijarobo! La forteresse lunaire de Sorceline émet un signal. Il vaut mieux qu'on aille jeter un œil.
Il se passe peut-être quelque chose d'important. On n'en a pas pour longtemps. Préparez-vous pour l'atterrissage. Allons voir les alentours. Oh, j'ai trouvé quelque chose, les amis. Oh, des traces de pneus. Ce n'est pas Sorceline qui les a faites. Roméo et son labo? Impossible. Il est sur Terre, il est en train de réparer Robo. Ces traces datent peut-être de la dernière fois qu'il est venu ici. Hein? Tu avais raison, Pyja Robo, il n'y a rien ici. C'est bon, on peut repartir à la chasse à la comète. Piloter? Oui, bien sûr. Je te laisse les commandes. Une fois de plus. Elles reviennent! Cachez-vous!
Le monstre aux étoiles collantes l'a sûrement attrapé. Oh, il va vraiment me manquer, ce petit bonhomme. Hein? Teen Ninja, tu es sain et sauf. Une seconde. Le monstre géant, où est-il passé? Ça veut dire qu'il est toujours dans la caverne. Oh, halte là! Qu'est-ce que tu fais ici, Ninjaka? Je ne rêve pas, c'est la bande des Pyjaminus. Eh bien, je suis venue ici pour faire un parcours de santé au fond d'une caverne. Et avec un ancien parchemin? Ouais, moi je n'y crois pas trop. Tu ne vois pas que je suis occupée, Teen Ninja? On cherche un truc, c'est tout. Lâche-moi, je te dis que je suis occupée. Vite, dépêchons-nous de monter jusqu'au sommet. Wow! Oh, il se passe vraiment des choses très étranges. Vous croyez que c'est Ninjaka qui nous a repérés? Aucune idée. Mais il vaut mieux ne pas rester là, ça devient dangereux. Laissons les Pyjamoto ici. Et vous avez entendu? C'était quoi ce bruit? Hein? Wow! Hein? Yo-yo acrobatant! Hein? Des geysers de glu? Attention! Wow! Il faut filer d'ici en vitesse. Accrochez-vous! Wow! Ouf, on a eu chaud. Il se passe des choses curieuses. Ce n'est pas Ninjaka qui a fait ça. Non, les geysers sont sortis de terre tout seuls. Mais ce n'était pas non plus un hasard. Oui, on dirait que la montagne mystérieuse est en colère. Non, c'est forcément Ninjaka. C'est peut-être la présence du Gongo Dragon sur la montagne qui provoque tous ces événements étranges. Il faut d'abord arrêter Ninjaka avant qu'il ne fasse des dégâts. À nous de jouer. Regardez, le ciel se dégage. Évitons de passer par le sentier et montons directement au sommet. Si on contourne les pièges de la montagne, on gagnera du temps. J'ai une idée. Glu glu main collante. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Mais oui, je reste avec toi. Allez les copains, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Lancement dans 3, 2, 1.